Qui sait satisfaire? Lève-toi. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais honorer. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais élever. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais exaucer. C'est lui qui te cherche. Lui qui te cherche. Je vais voir, elle me permet pas de chérir, je te pose pour l'église, ça c'est pour l'église.
Soit le combat que nous on prend ici là. C'est pas Dieu, mais on n'est plus ici. Ceux qui font la cachette. Tu vas briser tes actes là. Et quand tu vas faire, quand tu vas les faire, tu vas voir, ça a fini. Parce que c'est quand tu me parlais, quand j'étais sur la telle, quand quelqu'un priait, tu vois, il en a tel pour ta santé. Parce que les gens, ils ne peuvent pas te mourir, te tuer. Mais ils vont voir que tu es fatigué. Mais l'autel doit créer à ta faveur. Lève-toi au ciel. Dis Père, donne-moi la force des Gédéons afin de renverser, afin d'anéantir les hôtels des familles. Tout hôtel qui crie contre ma vie en cette nuit, Jésus, Jésus, ça prend, ça prend. Au nom de Jésus-Christ, que tu vois, je vais parler de toi, écoute-moi. Bien. Bon, excusez-moi de ce que j'avais dit. Si ta mère, si ta mère, tu as pleuré, non? Et bien, si tu avais été libéré. Parce que je l'ai vu pleurer. Tu pleurais! Mais c'est ça une délivrance. Écoutez, je vois une famille où tout le monde est enchaîné. Mais tu es la seule qui a échappé. Là, tout le monde est contre, tous les esprits là. Écoutez, il y a une réunion qui s'est passée. On dit non, tu devais avoir un bac, mais tu as fourni des fonds pour avoir un bac là. Tu as lutté, tu as eu un bac. Maintenant, où parce que là, je te parlais de toi, je dois porter tous les besoins de tous les médicaux là, les besoins. C'est quel est l'aéroport des hôpitaux là? C'est quel est le déporté? Et il y a une grâce sur ta vie qui est combattue. Mais comme tu mets tes pieds dans ces lieux, comme tu es dans ces lieux, personne ne pourra te toucher. Mais il y a une seule chose: cherche Dieu dans la profondeur et non à terre. Cherche Dieu, engage-toi dans les choses de Dieu. Père. Gédéon, c'est son père qui était à la base des problèmes. Tout ce que mon père a fait, tout ce que ma mère a fait, la Bible me dit dans le livre des Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ. Ni mon père, ni ma mère, ni tout ce qu'ils ont fait ne pourra agir dans ma vie. Quel est l'invité? Qui est assez? C'est l'enfant de qui? Ta sœur propre. Ah? Vous avez une famille là? Ça va tes yeux? Ça va très bien? Tu sais? Tu sais que tu vas bien? Tu as pas les douleurs? Tu travailles? Mais tu tournes toi avant moi. Passe nom de Jésus. Nom de Jésus! Pars! Elle n'a pas de pomme de ventre?
Tu as pas mon ventre? Tu as pas mon ventre? Tout va bien. Parce que je t'ai vu, la nuit plairait mal. Regarde. Pendant que je parle, j'ai vu, en fait, comme si. Comme si il y a un fardeau sur ce. Comme si un fardeau spirituellement. C'est comme quelqu'un qui on utilise. Tu sais, tu as failli être sorcière. Elle, vous savez ça? Elle a failli être une grande sorcière. Une grande sorcière. Tu connais Koulibaly? Qui est Koulibaly? Je suis Koulibaly depuis là. Elle vient avec toi? Même maison. Moi, t'aimer. Elle a ses mères. De faut beaucoup que parce que. Il y a quelque chose qui ne va pas à ses mères. Les limitations. Tu vas à l'église? Tu peux où? Chez qui? Demain, tu faut venir à la veille. Hein? Fais l'effort de. Enfin, la nuit? Tu viens à la veille? Mais veille à la nuit. Faut venir. On va prier pour toi, parce que l'été est passé. Ça va? Tu vas bien? C'est ça? Viens demain la veille, hein? On va prier pour toi. Tu veux quoi? Le restaurant. C'est Paolo aussi. Tu es qui? Hein? Il y a un masque de vieille sur ta vie. Tiens, l'enfant. L'enfant est où? La mère où? Qui fait un médicament? Qui fait un médicament? Qui fait le médicament? Quoi le médicament comme pour te traiter, pour te soigner? C'est qui? La famille. Tu connais pas? Mais demain, on prie pour toi. Hein? L'été est passé. Lève-vous au ciel. Dis by fire, by fox. Dans le nom de Jésus-Christ. Maman, Hans, il y a une promotion qui vient. Il y a une belle voiture devant lui. Dis by fire, by fox. Pendant que je lève mon ciel. Pendant que tout le monde s'élève, s'il vous plaît. Pendant que j'ai mes mains au ciel, j'envoie le feu à toute caméra qui me surveille spirituellement. Bien. Ta mère, elle est morte quand? Dans quel âge? Non, elle avait quel âge quand elle est morte? Ok. J'ai vu quelque chose sur ta vie. Écoute-moi. Ce qui arrive à ta maman, ça ne t'arrivera pas. Pourquoi? Parce que ta maman, parce que je vois ta mort, c'était pas normal. C'est une mort qui était précipitée par quelque chose. Mais écoutez bien. Il faut beaucoup faire attention avec la famille de ta maman. Parce que je vois un côté musulman, n'est-ce pas? Ta maman est bêtée 100%. Elle n'a pas écouté malien ni rien. 100%. Oui ou non? Ouais, parce que j'ai vu un côté musulman. Et en fait, parce que j'ai vu que ta maman, la grâce qu'elle avait là, elle avait une grâce. Les gens ont bâti jusqu'à elle est morte. Elle est sur ta vie. Et ce que tu dois faire, fais attention, ne dis pas tout. Sois vraiment discret, ne dis pas tout à tout le monde. Il y a des choses que tu ne vas pas dire, même à la femme de ta mère. Parce qu'il y a une grâce qui les voyage
compte jusqu'à 2025, à partir du mois de septembre. Et écoute-moi bien, à partir du mois de septembre, tu vas voir, il y a quelque chose qui va, qui va arriver. Mais il faut avoir des secrets. Ne dis pas tout à tout le monde. Amen. Dis Père que j'envoie le feu de toute caméra ou d'esprit de surveillance soit brisé. Que toute caméra du monde des ténèbres prend le feu pendant que je prie et je bats les mains à l'esprit. Nous sommes à la fin. Lève tes mains. Dis Seigneur Jésus, que cette nuit, que tu me délivres de tout hôtel. Amen. Ce que j'ai dit, c'est concernant pas tout le monde. Ce que sont les oreilles attendent, c'est ce que l'Esprit me dit. Toi, tu as un problème de finances. Toi, tu as un problème de finances. Écoutez bien. Regarde. Pourquoi tu es bizarre? Comment Élie peut dire à la femme, donne-moi d'abord ce que tu as. Moi d'abord, j'ai mangé. Comment le peu que moi j'ai. Dieu ne demandera pas quelqu'un quand tu as beaucoup. Dieu demandera le peu que tu as, ce que tu as fait. Toi, tu as un problème de finances. Jusqu'à dimanche. Si tu fais ça demain nuit, tu fais ça. Tu fais ça dimanche. Tu prends une offrande sacrificielle. Tu dis, c'est cette offrande que je veux voir. Mais il ne faut pas mentir parce que si tu as 5 000, tu en as 10 000, ce n'est pas sacrifice. Il faut parce que ce soir, tu as 5 000, tu as 5 000, c'est pas sacrifice. Le sacrifice devient lorsque ça te fait mal, lorsque ça dépasse tes entraînements. Parce que quand tu viens mentir ici, là, comme il dit, tout ce qu'on fait dans les messages, ça nous rattrape. Tu prends une offrande sacrificielle qui te coûte cher. Il nous faut dire que si maintenant, demain, chez moi, il n'y aura pas ça de riz. Nous, on a fait ça. Nous, on a fait ça. On a fait ça tellement trop. Et quand on fait comme ça, après on sourit. Soit les comment tu veux? J'ai dit, mais petit, maintenant que tu vois là, tout là, ça a été payé par coup de fil. Tu es où? Tu me dis. Il faut que j'ai pris tout mon argent. Je suis allé vider mon compte. Je suis allé semer. Et il m'a fait 1 000 francs d'approche. Il n'y a plus d'euro pour rentrer. On comprend ça la folie de Dieu. Vous savez, la richesse, c'est quoi? Ce n'est pas ce que tu touches, mais ce qui est caché. Je parle à ceux qui aiment l'argent. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'argent. Ils aiment qu'on leur donne. J'ai dit cette semaine. Demain ou bien dimanche, tu prends une offrande sacrificielle. Tu mets l'enveloppe, tu écris sacrifice et tu écris ta date de naissance. Ton nom est ta date de naissance. C'est tout simplement. Tu viens avec ça. Demain, j'ai laissé BG travailler jusqu'à 3 heures. Moi, je n'ai pas le droit à 3 heures seulement. Il va travailler jusqu'à 3 heures. Et tu viens avec ça. Quand tu viens avec ça là,